C'est dimanche, un moment d'enseignement. Parce que ce que vous devez retenir ici, c'est la parole. Amen. Amen. Voilà. La tour. Amen. Amen. Voilà, donc il y a le pouvoir du ciel et de la terre. Vous m'avez bien saisi? Amen. Alléluia. Amen. Nous regardons tout à l'heure, il va finir. Amen. Mais nous sommes à une rencontre de prière. Amen. La Bible dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, n'est-ce pas? Mais aussi de la parole de Dieu. C'est-à-dire chaque enfant de Dieu, c'est qui sait que Dieu doit avoir une Bible à la main. Quel est ton Bible? Voilà, vous lâchez des Bibles maintenant. Oh, la âme du Seigneur, ça. Dieu est délivré. Allez, montez les Bibles, montez les Bibles. Montez les Bibles, allez, Bibles. Il dit Bibles. Il dit Bibles. La Bible. Mon petit français. Il n'a pas dit Bible. Il dit Bible. 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 Partout les gars. Il est partout. Imagine, hein, t'es sauf. Montez la Bible. Attends, si elle vous démontrait ce livre, elle verra tout le monde à ton temps. Même si elle te va lire, il va parler à ton mari à votre papa. Là, pourquoi le livre là? Montez les photos. Non caché. Ça cache. Pourtant, je vais rien. Pourtant, vous avez un fichier qui dit. Pourtant, après, il dit le livre. Amen. Je remercie Petit Beau Edith depuis la France. D'ici une semaine, nous aurons les deux cartons de Bible. Elle nous fait venir les cartons de Bible que nous allons distribuer ici. Amen. Donc Edith, un coucou à toi. Voilà, que Dieu te bénisse. J'ai dit aussi de passage merci à Audrey, qui est ma fille depuis longtemps, cette fille qui sera là avec nous en fin de mois de juillet. Qui pense beaucoup au ministère. Merci pour la vision. Merci toi qui as décidé même de créer un site pour le ministère, un site internet. Merci toi qui es en train de bouiller partout. Cette fille est en train de tout faire dans le mois d'août. J'irai à Londres le mois prochain ou deux semaines. Il faut que je vous abandonne un peu deux semaines. Amen. Je dois aller là-bas un peu pour revenir. Merci papa, il y a des choses qu'on va venir. Amen. Amen. Je dois aller chercher les bailleurs de frais, moi venir. Moi, l'Europe ne dit rien. Il n'y a rien là-bas, c'est ici qu'on veut investir. Là aussi, tu as l'argent, les blancs t'amènent, il faut payer un pot. Ici, là, non, c'est nous-mêmes un impôt. C'est dans Bruce qui a venu de payer. Au moins, ça n'a pas la haine, tu as pris tout l'argent. Ils sont venus ici en Afrique. Et les gars, venez investir ici. Venez, n'ayez plus peur de sorciers. Tu n'ayez plus peur de sorciers. Cherchez le numéro de Crasso, va vous délivrer. Venez, l'Afrique a besoin de vous. Maintenant, il y a la brigade anti-sorcier. Nous pouvons vous aider. Amen. Voilà, ça fait deux jours, trois jours plus tôt. Tenez-vous debout, nous allons prier pour un joueur international ivoirien. Dieu m'a montré quelque chose. C'est pas bon, vous savez. Je demande aux journalistes pardonner. Pour pas aller prendre ça pour aller gâter mon nom. J'étais en train de causer dans la causerie. Après les Noé, ils ont pris ça pour me créer des problèmes. Les journalistes ont peur de vous. Parce que vous prenez un titre pour manger. Je vais prendre un prophète a dit que donc je ne dis pas ce qu'il dit. On va prier pour lui quand même. Vas-y, il dit de ne prendre la main dans le journal. Le prophète a dit que ça va devenir votre affaire. Vous allez prendre le journal. Dans causerie, t'as de causer avec le journaliste. On m'appelle un matin, on dit viens voir. On dit, tu as dit, mais oui, les peuples là, les garages vont mourir. Voilà, tu achètes le journal, tu achètes ton nom. Et quelqu'un qui a causé
C'est ça qui définit les peurs des journalistes. Même pas peur de moi. Mon ami, il dort. J'espère qu'il dort bien. Non, vous faites bien, vrai. Bien, vous faites ce qu'il a dit. Les journalistes ont fini ça. Oui, ils cherchent une information pour manger. On m'a dit. Donne-nous un appel. Là, on a dit une fois, à Grand-Laon. On est venu de Grand-Laon, je suis allé chercher une table par là, à Facebook. Il est avec un journaliste à la voiture. Il dit, il ne pose pas de journaliste. Vas-y, mais il sait ce qu'ils ont montré à la fin. Moi, je n'ai pas de mots. Donc, la dernière fois, il dit, tu as tout raison. C'est dit, mon modèle. C'est dit, ton modèle est mon modèle d'os. Donc, on a fait les journalistes. On a fait les journalistes. Nous allons prier pour Gervino. Nous allons prier pour Gervino. On a fait un poissy, Gervais. C'est quelqu'un qui est une étoile pour la Côte d'Ivoire. C'est une révélation pour la Côte d'Ivoire. Généralement, quand j'y mets, dans le football, il y a la sorcellerie qui se pratique. Quand les gens voient que tu commences à émerger, les gens commencent à t'éteindre. C'est quelqu'un qui est une référence. C'est un grand pour la Côte d'Ivoire. C'est un passé chervais. Je dis pas ce qu'il est dit pour ne pas comprendre sa fierté de journal. Et nous allons prier pour lui. Ce que tu as montré au prophète, la voix a dit. Amen. Levez la main, prions pour Gervais. Prions pour lui. Amen. Nous allons prier pour Passy Gervais. Pour la paix des vidéos, le souhait, le journal. Nous allons prier pour annuler tout ce que l'ennemi avait prévu contre sa vie. Je prie au Seigneur. Pour Passy Gervais, appelé Gervino, c'est un souhait international. La Bible déclare. Amen. Celui-là, il a prêché à Jésus.
Quand Jésus a fini son lait, il est venu prêcher à Jésus. Il a donné les révélations bibliques. Il dit les écrits, le Seigneur ne décide pas. Non, il prêche bien, ça dit rien, Satan. Quand il a les révélations, ça dit rien, mais Satan a peur de celui qui le chasse. Parce que Jésus même dit, Satan ne peut pas chasser Satan. Amen. Satan veut prêcher. Il veut lancer une vie prêchée. Il ne peut pas chasser Satan. C'est la différence. Voilà. Que Dieu bénisse. Okay. Voilà, que Dieu te bénisse. Voilà.